Oh. J'ai dégueulé. C'était pas joli, joli. Mais je me sens beaucoup mieux, là. Je crois que c'est ça, le secret. Je crois que c'est ce qu'il faut. Quand on a la gueule de bois, il faut... T'as vomi, toi? Non. Vas-y, je trouverai pas ça dégueu ni rien. Non, ça va, je me sens bien, là. Ok. Non, j'ai mon café, c'est cool. Non, le mieux, en fait, c'est la fumette. Tu fumes, toi? Tu fumes des joints? Pas vraiment, non. Jamais? Non. Sérieux? Mm-mm. De temps en temps, le matin? Non, je te dis, je fume pas. Tu sais que c'est genre... C'est un médicament génial. Ça te guérit de n'importe quoi. Jonas s'est pété l'avant-bras une fois. On s'est roulé des cônes. Son coude craque encore, mais à part ça, ça va. Je vois. Ouais. Génial, la nuit dernière. Enfin, ce que je me rappelle, je veux dire. Oui. Oui, non, ouais. C'est vrai, c'était très agréable. Ouais. Et tu fais quoi, sinon? Je travaille à I. La chaîne de télé? Mm-hmm. Tu te rappelles pas? Wow. On a déjà eu cette conversation hier soir. Je t'ai dit qu'on m'avait promu présentatrice. Je fêtais ça avec ma sœur. Non? Non, j'ai... Je me rappelle pas du tout. Oui, c'est un peu spécial, parce qu'en plus, on a prévu de faire une interview aujourd'hui, alors... Avec qui? Matthew Fox. Matthew Fox, le mec de Lost? Oui. Ah, tu sais ce que j'aime bien chez ce mec? Non. Que dalle. Quoi? Dis-lui de ma part que c'est un vrai débile. Non. S'il te plaît, il a le droit de savoir. Il intéresse qui, ce mec? Eh bien, j'espère que pas mal de gens l'apprécient. C'est mon boulot de m'assurer que la majorité du public qui nous regarde s'y intéresse. Sinon, on l'inviterait pas. Bon, peut-être qu'il broute que moi, j'en sais rien, mais je crois qu'il mériterait que quelqu'un lui pète la... J'avoue que c'est gênant de te demander ça juste maintenant, mais toi, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je bosse avec 2-3 potes sur un projet de création de site en ce moment. Ah, cool. Sur quoi, le site? Je te le fais en virtuel, comme ça t'auras une idée, ok? Alors, t'es là devant ton PC. Y a une actrice que t'adores? Mary Tyler Moore. Inconnue au bataillon, non, pas elle. Non? Non, okay. Non, disons que tu kiffes... Meg Ryan. Je l'adore. Super, tout le monde l'adore. Ouais. Disons que tu l'adores tellement que tu voudrais savoir dans combien de films qu'elle a fait, on la voit les seins nus. Et non seulement ça, mais pendant combien de temps dans le film, elle a les nichons à l'air. Tu te pointes sur notre page, en exclusivité, tu tapotes Meg Ryan et bam, in the cut. 38e minute, une scène. 48e minute, une scène. Genre 1h10, autant dire tout le film en fait. Et elle fait le frontal complet dans in the cut. Waouh. Elle est vraiment tout fut, tout femme là-dedans. Ah oui. J'ai le DVD si tu veux. On regardera Meg Ryan à poil. Ok. Ok. Oui, écoute, je dois y aller là, alors... Ah bon, ok. Est-ce que... J'ai ton numéro? Je crois pas. C'était fun, cette soirée. Faudra qu'on remette ça. Bon, je te donne ma carte. D'accord, je crois que ce sera le meilleur moyen pour... Toi, si tu veux me joindre, tu dois me laisser un message sur mon site, vu que je suis sans portable. J'ai oublié de le régler. Bref, tu m'envoies un mail depuis mon site, je l'aurai. C'est ben@fleshofthestar.com, d'un seul tenant. Ah oui, ouais. Okay. Ok, alors... J'y vais. Génial. Ok, alors, c'était bien cool. Ah oui. Ah ouais. Bon, au revoir. Ok. Un de ces... Bye. C'était vachement sec. Ouais, vachement sec.